Bonjour à tous, ici Spirulex, bienvenue dans cette présentation du mercredi. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter juste un jeu, mais plutôt une série de jeux. Ces jeux, ce sont des jeux web, mais ils méritent le coup. Donc ce sont des point and click, tous dans le même univers, c'est chaque fois le même personnage qu'on incarne. Et incarner, c'est vraiment le mot, puisqu'il s'agit de Reincarnation. Et ensuite, chaque fois, un petit titre différent. Alors, ici, on va faire un des derniers en date, qui a déjà au moins 3 ans, voire presque 4. Mais, vous verrez, il est sympa. Ils sont tous sympas, d'ailleurs. Toute la série, je les aime bien, mais on va vite voir ce qu'il en est. Alors ici, nous avons un geek. Dans toute sa splendeur, hein, oui, enfin, c'est une caricature. Le principe, pour que vous compreniez, nous incarnons un démon. Ce démon doit récupérer des âmes qui se sont enfuies de l'enfer et qui se sont réincarnées, d'où le nom du jeu. Pour pouvoir récupérer ces âmes, le démon, premièrement, doit vérifier que l'âme ne s'est pas... ne s'est pas... Oui, je ne trouve pas le mot... C'est pas converti, mais n'est pas devenu gentil en fait. Hein, c'est seulement s'il est toujours méchant qu'il peut la récupérer. Et deuxième chose, il ne peut pas se faire voir. It's impossible to see anything with these blinders in my way. Alors c'est dommage parce que celui-là n'est en anglais et n'est que en anglais. Parce qu'il y en a qui peuvent être en français, surtout les anciens, je pense. It's impossible to see anything with these blinders in my way. Ah, much better. Ah, voilà. Now to deal with this in real life reincarnate. 148 hours and counting. I will become Lord of Global Quest in no time at this rate. Ain't that right, Meowxis? Huh? He must be sleeping. Anywho, back to the game! Level 46, high elf! Here we come! Voilà. C'est... Il faut réussir à voir s'il est toujours mauvais et ensuite le tuer pour pouvoir récupérer son âme. My magic is growing strong! Alors pour cela, c'est un point de clic. Seems our friend has decided to take stock in a video game lifestyle. Oups. Oh. D'accord. There seems to be video games on all these screens. What a waste of life. How can anyone enjoy sitting around all day controlling a video game character? There are posters all over the room. There are posters all over the room. I'm gonna own each and every single one of you! Oops. This bookshelf isn't close enough to have any effect on the reincarnate. Okay. This bookshelf isn't close enough to have any effect on the reincarnate. This bookshelf isn't close enough to have any effect on the reincarnate. If only it was that easy to take out this reincarnate. I have to make it look like an accident. Voilà, il doit faire en sorte que ce soit un accident. There are posters all over the room. This one is called Terrible Teeth. Yeah, should be called Evil Teeth. Sachant que Terrible Teeth, c'est un autre jeu des mêmes développeurs. Here we come! The closet seems to be locked. Ok. Ah oui, d'accord, c'est la clim. Oh, une clé.
voilà, ça va dans mon inventaire. Alors... Check that! My magic is growing strong! The closet seems to be locked. Ok, parfait. Ah, le chat qui est mort. Oh! Malxis has seen better days. This reincarnee has neglected this pet so long, he has since passed away. Oui. Malxis has seen better days. This reincarnee has neglected this pet so long, he has since passed away. Ah, the Leaning Tower of Pizza. I'm gonna own each and every single one of you! Alors, voyons. Donc ici, c'est la clim. Ah oui, et le ventilateur. Et donc, vous voyez comment ça fonctionne. Il faut un peu cliquer partout. Level 46, high off. Here we come. Réfléchir à ce qu'on peut faire. Donc maintenant, le chat, on le voit, mais au moins ça c'est quelque chose qui pourrait le faire retourner. My magic is growing strong. Mais là, si je fais ça, il commence à avoir chaud, il se déplace. Eh, je peux pas cliquer. Zut. Allez. On va lui faire peur. On peut le faire éteindre. Voilà, assommé. The reincarnee is currently knocked out. Oui. Donc on va arrêter. Mais, d'accord. Ok, donc là, là, mon PC y est débranché. Voilà, très bien. Ok, voilà, c'est tout. And bleeding out. He'll suffer just as long as Puss and Dead over there. Ok, c'est tout. Et donc voilà. On pourrait rapidement en faire un autre. Juste pour vous montrer. Alors, on va... Voilà. Peu importe, hein. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns. Voilà. Donc je vous dis, c'est en navigateur. Alors, on se retrouve directement juste après ça pour un deuxième. À tout de suite. Et nous revoici pour un autre Reincarnation. Donc j'ai pris The Backfire of Hell. Donc c'est un... C'est un mini, hein, donc pas de retour. C'est une petite histoire, mais il y en a des plus gros, hein. Donc ici, Demon's Day Out, Riley's Out Again, Let the Evil Time Roll. Ici, c'est Backfire of Hell. Ok, on y va. Toujours le même principe. Donc je suis là. Ça, c'est certainement le réincarné à tuer. Et donc, d'abord, on va récupérer ça. There is no power to this radio. Ok. There is no power to this radio. C'est normal. A road trip with an escaped soul from hell. Now that's an evil time. Derrière, qu'est-ce
qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ah, un allume-cigare. This seems to be locked. Un câble. Just empty boxes. Une clé. That isn't the right key. Non, c'est pas la bonne clé. À l'avant. On a besoin d'ajouter des câbles électriques. Voilà. There is no power to this radio. This seems to be locked. D'accord. Donc la clé. De poche. Il ne remarque rien, c'est très bien. I need something to open this up with. This seems to be locked. Oui, et comment je fais pour l'ouvrir alors? This seems to be locked. This seems to be locked. Just empty boxes. À comment on va faire pour réussir à le tuer avec déjà ce qu'on a récupéré. I need something to open this up with. 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 Alors, je ne vois pas ce que je There is no faire. Power to this radio. Non, il n'y a rien. Bingo. Un tournevis. Donc, je peux ouvrir, voilà, la lampe de poche. Prendre la batterie. Voilà, maintenant la radio est allumée. Attention, attention. Authorities report that a bald-headed white male is on the run for the murder of a family on the south side. Last seen wearing a red cut-off shirt, jeans, and driving off in a work van. Anyone with whereabouts of this man should call 555-1984. Again, that number is 555-1984. White male, bald head, sleeveless shirt. I spy with my little eye something evil. Voilà, il est méchant. La radio l'a confirmé. Donc maintenant, il n'y a rien d'autre. The outlet is missing something. Alors, hop. Il est chaud. Ça va pas être assez. Ah, voilà. I need some sort of wick if I'm going to blow this up. D'accord, et maintenant, le chiffon. Voilà, et on y va, et on fait tout brûler. Voilà. Vous avez vu plus ou moins comment ça se passe, donc on va s'arrêter là. Et on reprend dans une prochaine vidéo avec une autre présentation ou un autre let's play. On va diminuer un peu le son parce que là il est très fort. Voilà. Et donc je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petits point and click. Bien entendu, les liens seront dans la description.
N'hésitez pas à y faire un tour, à me dire si vous y avez joué, si vous avez des problèmes dans certains, si vous y avez réussi, enfin bref. Si vous appréciez cela, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres présentations. Portez-vous bien. Bye!